Alors, rapport. Tout ça, on connaît, je suppose qu'on connaît. On a la machine qu'on peut rajouter. Alors, jouez une carte depuis votre jeu. Si la première se trouve dans votre main, dans votre jeu, le jeu de bataille, renforcez. Ah, c'est une anti-squelette. Donc, si je la mets. Faut que je retire deux trucs qui coûtent 5. Infiltrer les chiens, ça m'intéresse pas. Ce sont des decks courts, hein, c'est toujours bien. Hein. On a bien notre 25 cartes, on n'ira pas plus loin. Allez hop, ça ira bien. Tiens, je suis sûr qu'il y a moyen de parler avec des gens. Ah, oh là là, il y a plein de gens. Où ça joue aux cartes, tu joues pas aux cartes avec lui, j'espère. Oui, Majesté. Comment sommes-nous arrivés là? Maeve, la reine de Lyrie et de Rive, en est réduite à se terrer dans les fourrés comme un vulgaire brigand. Quant à vous, Général Reynard Odo, vous qui aviez 4 régiments d'infanterie d'élite sous votre commandement, vous dirigez maintenant une bande de déserteurs, de bandits et de paysans armés de faux. Et je suis fier d'être à leur tête, Majesté. Ce n'est pas drôle, Reynard. Votre Majesté, j'ai servi 10 ans sous les ordres de votre mari, et 8 de plus sous les vôtres, et je n'ai jamais défendu de cause plus juste que celle que je défends aujourd'hui. Car il ne s'agit pas d'un conflit territorial ou de la répression d'une révolte paysanne. Nous combattons pour tout le Nord, pour notre liberté. Vous seul ne vous êtes jamais résigné. Vous n'avez jamais, ne serait-ce qu'envisagé, de vous incliner devant les Nilfgaardiens. Et regardez où cela nous a menés. Ce n'est que le début, Majesté. Je ferai tout mon possible pour vous aider à remporter la victoire. Oh, c'est un gars. Je n'arrive pas à me pardonner de ne pas avoir découvert les manigances de Caldwell. Il devait préparer cette trahison depuis des mois, voire des années, et je n'ai rien vu venir. Ah, t'es bien niqué, hein. Il ne faut pas vous en vouloir, Majesté. Facile à dire pour vous. Si je m'en étais rendu compte à temps. Le Nilfgaard aurait simplement fait appel à un autre traître. Ou envoyé un assassin. Ce qui s'est passé était inévitable. Les escadrons noirs auraient attaqué dans tous les cas, et nous n'aurions jamais pu espérer les vaincre ou les faire fuir dans une bataille rangée. Alors, si vous aviez été présent au Conseil des Pères, vous auriez vous aussi voté pour la reddition? Non. Mon honneur m'en aurait empêché. Je serais allé au combat, et j'y aurais sûrement laissé la vie bêtement. Dans l'état actuel des choses, j'ai encore une chance de déjouer les plans de l'envahisseur. Par un curieux caprice du destin, je crois devoir manifester un peu de ma gratitude au comte Caldwell. Eh ben, voyons. Il est temps que je parte. On va parler machin, là, Gascon. Alors, Gascon, que pensez-vous de la vie de soldat? Ce n'est pas très différent de la vie de bandit, en fait. Qu'insinuez-vous par là? Eh bien, il fait froid dans les tentes, on mange mal, mais on a généralement de quoi se réchauffer le gosier. On combat jour après jour quelques Nilfgaardiens par-ci, quelques elfes par-là, puis on leur vole ce qu'ils ont. Nous réquisitionnons. C'est conforme aux règles de la guerre. Sous la règle de la guerre, c'est nous qui les dictons. Je vous en prie, arrêtez de jouer sur les mots. Le Duc des Chiens. Pourquoi ce nom? Je ne sais pas si je dois vous le dire, c'est une histoire assez personnelle. S'il vous plaît, j'insiste. Voyez-vous, je suis comme un loup-garou. Un loup-garou? J'ai bien entendu. Sauf que, lorsque la pleine lune brille dans le ciel nocturne, je ne deviens pas à moitié loup, mais à moitié teckel. Et tous les autres chiens de la nuit attendent mon signal. Bien, oublions cela. Avec plaisir. Une chose me tracasse.
Comment vos chiens errants se sont-ils introduits dans la tour, en Lyrie ? Ils ont profité d'un point faible. Un point faible ? Lequel ? J'ai supervisé moi-même sa construction. Les murs sont épais de 2 mètres, et les barreaux et les grilles sont faits de fer très solide. C'est parfait tout ça, mais combien payez-vous les gardes ? Quoi ? Je l'ignore. Le commandant de la garnison se charge de cela ? Il touche peu, Mev. Vraiment peu. Du haut du trône, on ne voit pas facilement les petits détails. Comme les problèmes financiers d'un garde, ses ambitions. Mais repérer ce genre de choses est une seconde nature chez tous les bandits. Alors, pour franchir la porte de n'importe quel château, il suffit d'une bourse d'or. Il est temps que je parte. Au revoir. Comment allez-vous, Rella ? L'intendant vous a-t-il attribué une tente ? Il a essayé. Oh. Et alors ? Je l'ai refusé. Il vaut mieux dormir à la Belle Étoile. Ça réduit les chances de se faire surprendre par l'ennemi. Oui, sauf si l'ennemi en question est la pluie. Je ne suis pas en sucre, madame. Ça ne me fera pas fondre. Putain, là, je suis une bourrine. Je vois rarement des femmes dans l'armée, et encore moins dans les forces spéciales. Comment les avez-vous intégrées ? J'ai prouvé que j'étais à la hauteur. Oui, bien sûr. Mais comment ? Quand j'avais 15 ans, j'ai tenté de rejoindre l'armée. Mais le sergent chargé du recrutement m'a envoyé balader. Je l'ai donc défié au bras de fer. Si je gagnais, il m'intégrait. Si je perdais, je lui donnais 100 couronnes. Vous aviez autant d'argent ? Non. Alors je devais gagner. Quand on s'est assis à table, face à face, il a poussé un rire gras et retroussé sa manche. Quand ça a été fini, plus personne ne rigolait. Salut, Lag. Ton titre est une honte. Comment ça, une honte ? Après ça, j'ai simplement suivi les ordres. Et suffisamment bien pour attirer l'attention du roi. Mais pourquoi ? J'ai besoin de ma dose, quoi. Voilà. Je suis comme toi, maintenant. Ouais, je vais pas saluer. Nous parlerons plus tard. T'es pas sur du jeu de rôle ce soir. Comment ça se fait ? J'ai juste insulté, je repars. D'accord. Bah vas-y, insulte. Hein. Tu peux insulter, vas-y, je t'en prie. Pourquoi j'ai des machins là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on s'en fiche. Bonne soirée, du coup, je te déteste. Ah oui, moi aussi, je t'aime. Ça commence, boum, ma coffre. C'est carré. Ça m'a donné 550 balles. Hein. Ok, de l'argent, c'est bien. Par les dieux. Le royaume est à feu et à sang. Ebdaï nous a prévenu qu'il châtirait Edirn. Qu'il serait impitoyable. Bon sang, mais que lui avez-vous fait, Rella ? Le Nilfgaard nous a proposé une alliance contre le reste du Nord. Mais Demavend a refusé sans mâcher ses mots. On dit qu'Ebdaï est entré dans une colère noire. Et qu'il a juré de réduire Edirn en cendres. Ouais, du coup, il ne va pas y arriver et... Il faut engager les taux. Enfin, il va y arriver en engageant le taux. Pour être plus précis. Pas un petit tout ça. Ouais, on va continuer de looter. Si on voit des gens, des ennemis, des machins. Oh ! C'est où les points d'intérêt ? C'est où la mission ? Ah, il y a un village, mais isolé là. Faut aller là. Parce que c'est pas la route principale. Là, c'est la route principale, donc faut pas aller là.
C'est le principe de base de tout bon jeu. Ok, donc on s'y construit quelque chose. Ah putain, ça augmente les limites de recrutement à 150. Création des unités. Ça serait bien de le faire. Il faudra que je le fasse maintenant ou après. Allez, au combat! Ouais, le standard, c'est bien, on a le moral au plus haut. Ça, on aime bien. Ça, les cavaliers des chiens, on aime bien. Enfin, je ne crois pas. Allez! Oh ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Vache. Énormément de cartes, lui. Okay, la première manche est perdue, mais... Ah oh. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Il y a des échanges pour la dernière. Hein. Il y a encore des Neckers, hein. Ça va pas, la tête. On ne se coupe pas. C'était lui, hein, qu'il faut... Je vais les taper. Allez, une,
Une cocotte. Mais non, c'est compliqué là. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ils ne s'en tireront pas. Elle a passé là. On s'amuse. Deuxième, c'est bon, j'ai fait. Bon, eux, je les aime pas. Ouais, non, mais c'est bon. Gauche, droite. Bon, il a plus de pioche. Donc il pourra plus faire son coup du lécher, machin. Oui, mais t'en as plus. Vous devez suer comme un porc avec cette veste. Dis-moi que tu plaisantes. Vas-y, cule les médecins de terrain, ça me dérange pas du tout. Allez, cule ! Ah ! Ah ! C'est connerie. Une fronde, ça se cache aisément. C'est la merde là, les gars. C'est un ou nous, pas de troisième voie. T'as déjà fait sauter une dent avec une pierre. Oh, je suis en train de te mettre là, gars. Ah,
déjà fait mouche en venant de l'œil à une demi-lieue. Allez, je suppose qu'avec les... Oh ! Sans problème, sans problème. Si l'on approche par le sud, les fabrications le long de la frontière de Velkart et le lutin sont déjà tombés et ces chiens brûlent tous ceux qui trouvent sur la route. Maman et moi et toi, prenez tout ce qu'il y a de là, partez maintenant chez l'oncle à Rosberg, vous serez plus en sécurité. Je sais ce que tu dis, tu as 60 ans tassés, tu as vécu à cette guerre, celle-ci n'est pas différente, tu te trompes, pourtant papa, je crois, je t'en supplie. Quelle erreur. Allez. Pognon. Très important d'utiliser son argent. J'ai vu une maille qui fait la route depuis Eikenfurt. L'aurait dû arriver il y a 3 jours de ça. Vous auriez pas vu une maille? Vous auriez pas vu une... Oh. Ok. Ok, on refait un bon stock de... Ton Majesté, un marchand itinérant vous invite à inspecter sa marchandise, de débarrasser la solde au plus vite, il est prêt à faire une généreuse remise. Du bois contre machin... Du bois, on en a beaucoup. Donc on va vendre du bois contre de l'or. Merci le marchand. Ça c'est cool. Les Lyriens arrivèrent près d'un vieux être à moitié desséché. Son tronc qui reposait sur un enchevêtrement d'épaisses racines était couvert de bas en haut de papier griffonné. Des voyageurs étaient attroupés autour. Réfugiés pieds nus, pèlerins décharnés, marchands escortés d'hommes en armure et individus au regard fuyant, ayant tout de déserteur. Le être du voyageur. Dirait-là. Des voyageurs en tout genre viennent s'y échanger des histoires. Nous apprendrons peut-être quelque chose sur les déplacements de l'ennemi. Ou nous permettrons à l'ennemi de connaître les nôtres. L'interrompit Gascon. Les espions Nilfgaardiens se pressent sûrement jusqu'à cet arbre, comme des mouches attirées par une bouse bien odorante. Ah, c'est simple, hein, il suffit d'envoyer un éclaireur. Maeve décida d'agir avec prudence. Elle fit dresser le camp dans une clairière proche, et envoya un éclaireur déguisé en marchand enquêter au être du voyageur. Cependant, les heures passèrent sans que le soldat ne revienne. Par les dieux, grogna la reine. Reynard, envoyez des hommes suivre ses traces. Hein ? Les Lyriens trouvèrent le corps de l'éclaireur dans les bois, à quelques lieues du être du voyageur. Le dit corps présentait des signes manifestes de torture. À l'évidence, cela avait été long et cruel. Maeve ne pouvait qu'espérer que l'homme n'avait pas tout révélé à ses ravisseurs. Sérieux. Non seulement on a perdu un homme, mais ça se trouve on a perdu des informations. Il paraît que les gens Cormal commercent avec les Skoyaten, au vu et au sud tous. L'Empire tient déjà en laisse le seigneur Falbusson. L'Empire tient déjà en laisse le seigneur Falbusson. Oh là là, les gens qui se plaignent encore. Ah, voilà de quoi remettre le moral au plus haut. Mais non, tout ce qu'on peut faire, là, qu'on peut construire, j'imagine. Ça suit toujours les armées, les corbeaux et les bêtes. J'ai caché un boisseau de blé dans ma cabane, mais j'ai trop peur pour y retourner. C'est qui sont... J'ai caché un boisseau de... Écoute, il sera à moi. Hein. Ouais, curieux. P-
Peu après être entrée en Edirne, Maeve donna l'ordre de faire halte. Elle souhaitait s'entretenir avec Rayla la Noire pour planifier leur marche, car Rayla connaissait chaque route du royaume, y compris celles ne figurant pas sur les cartes. Elles étaient en plein travail quand des cris retentirent au milieu des tentes. Je le répète pour la dernière fois, je suis votre officier supérieur et je vous ordonne de quitter le terrain d'entraînement. Sinon... Sinon quoi? Vous allez m'obliger à faire 50 ponts? Je peux savoir ce qui se passe. Majesté, je pensais profiter de cette halte pour entraîner les recrues, leur apprendre à... Défiler. À manœuvrer, Gascon. La différence est de taille. Les soldats doivent traverser le champ de bataille en parfaite harmonie. Autrement, ils risquent de rompre la formation, suite à quoi l'ennemi percera nos lignes et massacrera notre armée. Et voilà le hic, mon cher Reynard. Ce n'est pas une armée, mais un groupe de partisans. Si on ne s'adapte pas aux règles du désespoir, si on suit le code de l'Académie des officiers, on perdra. Poser des pièges, effacer nos traces. Voilà ce qu'il faut apprendre à nos gars. Pas marcher au pas de loi. Balivernes, une unité doit avoir de la discipline, sinon toute stratégie est impossible. Un soldat doit obéir aux ordres. Soyez un peu plus respectueux, Gascon. Reynard menait sa première charge quand vous montiez encore un cheval à bascule. Ne dénigrez pas son expérience. Nos ressources sont limitées, nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Préparez vos plans pour former les recrues, je déciderai de celui à suivre. C'est bien clair? Alors au travail. Tiens! Est-ce qu'il vient me faire chier, là, le voleur? T'as de la chance, hein. Pour l'instant t'es en sursis, hein. T'es toujours pas vivant encore. Tu m'as sauvé, ok, ça joue à ta faveur, mais là, tu te remets à perdre des points. C'est-à-dire que t'étais à moins 1000, tu m'as sauvé, t'as gagné plus 100, t'es encore en train de reperdre des points, c'est dommage, c'était bien parti, t'étais sur la bonne route. Casse-tête, point d'intérêt. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à construire, ça va peut-être bien construire des trucs, là. Alors ça, on s'en fiche. C'est vraiment le dernier truc qu'on construira. Ça, ce serait bien ça. De partir sur cette ligne. Oh, tellement cher. L'unité de combat de Reynard dans la tente comment. De rive plus sapeur de rive. Sapeur des chiens plus. Ah, notre trappeur de chiens devrait être trappeur de chiens plus. Trappeur de chiens. Faucheur lyrien plus. Ah, ça coûte tellement cher tout ça. Et atelier. Médecine, médecin de terrain, chaustra, pisteur lyrien, pisteur plus, infiltré des chiens, chimiste, chariot militaire plus. Alors ça serait bien d'avoir. On va augmenter ça déjà pour commencer. Si on peut essayer d'avoir des unités un peu plus fortes dans notre deck. Et après, on améliorera. C'est un casse-tête, allez, casse-tête. Il met tous les ennemis, bon, ça va.
crissé dans les douves. Oh, t'es mort. Ce sera une grande et jolie vigne. Au lieu de jacter, commencez à creuser. Il va me falloir... trois sauts de clous. Ah, c'était pas compliqué, hein. Habitant de Lapisfeld, comme vous le savez, Aedern a été trahi, surprise par l'ennemi. Nos troupes risquent maintenant de subir de sérieuses pénuries. J'appelle tous ceux qui peuvent soutenir l'effort de guerre à faire un don. Vokmir, le fils de Zenek, a reçu l'autorisation de superviser la collecte. Les dons doivent lui être apportés à son moulin avant la fin de la semaine. Ils lui sont ensuite apportés aux soldats dans le besoin de la forteresse de Rosberg. Mère Godzimir. Godzimir. Oh, un coffre. Paf, plus 600. Les coffres, c'est pas seulement des trucs de Gwent. Hein. J'ai remarqué que ça donne énormément d'argent. J'oublie rien. Ah, c'est dommage. Ah non, mais... je vais bien te calmer. Un trésor, ça s'est vu ça. Les habitants de Brumfort ont l'ordre de quitter le village avant la tombée de la nuit et contrairement ça expose à une seule punition. Notre avoine n'était pas au bout de l'ampe. C'est les escadrons noirs. Majesté, par pitié. Yes! Je suis un brave. Bon, on va construire là. Et... on va construire des trucs là. Là, on avait dit qu'il y avait chariot militaire 2, niveau 2. Je pense que c'est pas... 2500 de bois. J'ai vendu du bois. Parce que là, j'aurais quoi de bien? Est-ce que j'aurais de bien? Trappeur de chiens plus, ce serait pourquoi pas. Le fait de pouvoir faire des frondeurs et des cavaliers des chiens, c'est bien. Cavalier gris, ouais... de rive, non. Je lui dis rien. Sapeur de rive, ouais, pourquoi pas. Ou alors ça, je viens des recrues, mais j'en ai déjà tellement. C'est ridicule. Je pense que je préfère le chariot militaire. Est-ce que je peux construire déjà des... je peux construire des forts de chariot. Je sais pas qu'est-ce qui me donnait l'habilité de construire ça.
Mon prochain objectif, c'est 2500 de bois, ce qui est ridicule. Pas s'il y a des trucs qui coûtent pas beaucoup de bois. Je suis plutôt preneur, quoi, mais... Oh, 2000 et 2500. Votre Majesté. L'interpella Reynard en arrivant dans le dos de Maeve. Un éclaireur vient de rentrer. Il dit avoir un message urgent. La reine arrêta son cheval et attendit que le soldat parvint jusqu'à elle. Celui-ci oublia toute formalité pour en venir directement au fait. Madame, une caravane de soldats en noir armés jusqu'aux dents se dirige par ici. D'après les rumeurs, ils rapportent un butin de guerre au sud. Reynard donna de nouveaux ordres aux soldats, puis se retourna vers Maeve. Cela me semble être une bonne occasion de remplir nos coffres. En effet, nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion. C'était un piège. Notre unité va leur barrer la route. Gascon et ses hommes se cacheront dans les bois et les attaqueront par les flancs. Moi, je refermerai le piège en les attaquant à revers. Le plan établi, Maeve donna l'ordre de se mettre en mouvement. Quelques instants plus tard, le combat s'engageait. Il n'y a pas de... Dévoiler le piège. Ah, il y a un piège. Ok, je peux mettre les deux lignes en feu, comme ça on va le retirer. Yes. Non, mais c'est bon. Il faut les précipiter dans l'embuscade. Suivez-moi. Par où d'honneur, Maeve perd la bataille. Excuse-moi, hein, mais moi je... Ta vie m'appartient maintenant. Marquer une unité après trois tours. Ah, c'est usage unique. C'était un peu de la merde, ça. Sage décision. On t'a déjà fait sauter une dent avec une pierre. Dans
Nous touchons au but, Majesté. Oui, d'accord. Vous auriez pas des livres? J'ai une fin de mot. Je combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Doucement. Le commissaire peut l'entendre. On gagne pas tous les deux, même si rien ne peut essayer. Allez, vas-y, j'en ai énormément les machins. C'est parti pour le front. Sa Majesté sait ce qu'elle fait. Une fronde, ça se cache aisément. Ça, c'est con ce que j'ai fait en fait. Doucement. Le commissaire va m'entendre. Ça va pas la tête. On ne se coupe pas. Dans l'embuscade. Suivez-moi. Ils commencent aussi, ils ont tellement quoi. Mais ça va pas, ça. Ah,
Ouais, ça va pas, si je mets pas les lignes en feu là. Sage décision. Oh, regarde-moi ça si on peut. Touchons au but, Majesté. On touche à rien du tout là, on se fait défoncer. C'est reparti pour le front. Non, j'ai joué avec le deck basé sur le tambour de guerre, tu as essayé. Non. Bah, t'es arrivé où dans l'histoire, ça dépend. Hein. Parce que là, les tambours de guerre, j'en ai plus beaucoup, quoi. Enfin, je pense. Comme un porc avec cette veste. Et je suis mort. Alors je ne sais pas comment on gagne cette bataille. Il faut absolument le mec qui enflamme dès le début. Non, ça c'est nul, ça c'est nul. Renard, pourquoi pas. Tambour. Ah oui, des tambours, j'en ai. Oui, j'ai un mec qui est en flamme, c'est bien ça. Allez, terminé. Les tambours avec toutes les cartes à corps de bataille. Non, surtout pas. Il faut les préciser. C'est, ils ont des. Contre le Liviard, c'est très peu efficace. Hein. Ils ont des mecs qui se renforcent à chaque fois que tu fais des ordres. Donc,
ventilation, enfoiré. Si tu dis ce faux flore. Hein. Ça peut être pas mal ça. Il faut que je ramène les autres sur la. Sur la ligne de flamme. Enfin, lui typiquement c'est des trucs qui se renforcent à chaque fois. Chaque fois que j'utilise un ordre, j'y gagne 2 points de, d'armure et 2 points de des trucs. Il y en a plusieurs. Hein. Je suis pas sûr de. T'as déjà fait sauter une dent avec une pierre. Ça c'est nul ça. C'est vraiment nul. J'aurais peut-être dû jouer ça. Peut-être tu gagnes bien plus. Ouais, merci Emmerich. Merci. Il y a d'autres choses qu'on va te rappeler. Il faut absolument que je bute lui là. Sinon je peux pas utiliser ça. Enfin, après il faut que je le bute. Je les bute celle-là. Genre plus de dégâts, ça fait pas de dégâts sur les deux lignes. Je l'invoque. En chasse ! Les gars, faut qu'il meure. Ah, ça c'est bien ça. Au moins il y a eu l'efficacité. Ah, c'est saloperie aussi. Il faut que je débute aussi, si ça veut dire. On gagne pas à tous les coups, même si rien n'empêche d'essayer. Eh ben, on prend son temps. On m'a oublié ou quoi? Maintenant! Aouh! Et c'est reparti pour le front. Ah d'accord. Il a ramené ce qui... Ah, il fallait révéler le piège, d'accord. Putain, je savais pas en fait. Même quand il sort d'une bourse moisie, l'or n'a pas d'odeur. Bon, j'ai tué des mecs à moi. Hein. J'ai rien qu'on bute lui, mais ça serait peut-être bien. Vraie salope, hein, c'est tout le temps. Moi, je peux essayer de les tuer, mais. Bon, ils prennent des dégâts hein, partout. Hein. Ah, il a passé. Allez, oh, bon, on a gagné. Oh, en fait, il fallait révéler le piège. C'était facile. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. Ils ne s'en tireront pas. Dis-moi que tu plaisantes. Il y a une fuite. Yes.
sert à rien ce que j'ai fait. J'aurais dû faire peut-être 11 à des filles de casse. Nous devons nous serrer les coudes. La caravane est à nous, madame. Ouais, en fait, c'est super simple, elle est juste. Elle a juste révélé le piège. Leur plan fut un succès, et ils écrasèrent les Nilfgaardiens. Dès que la poussière fut retombée, Maeve arracha la toile recouvrant un chariot proche pour voir quelle précieuse cargaison l'ennemi avait défendue avec tant d'acharnement. Elle s'attendait à trouver de l'or, des joyaux ou de somptueuses soies. Mais au lieu de cela, elle vit des gens sales et terrifiés que l'on avait enchaînés. Des esclaves. Marmonna Reynard. Voilà leur précieux chargement. Des esclaves. Admirez l'avenir radieux que nous apporte l'Empire. Maeve ordonna qu'on libérât les prisonniers et découvrit qu'il s'agissait de paysans d'Edirne, partant creuser des canaux et assécher des marais comme forçats. Vous êtes libre. Vous pouvez rentrer chez vous. Dit la reine. Si elle s'attendait à des remerciements ou de la gratitude, la reine dut être déçue. Chez nous, madame? Où ça, chez nous? Demanda un des paysans en ravalant ses larmes. Ils nous ont pris nos terres. On n'a plus rien à se mettre sur le dos ou à manger. Si vous nous abandonnez, on meurt. Si les soldats nous tuent pas, des monstres le feront. Sauf si le froid ou la faim nous tue avant. La reine s'apprêtait à répondre quand elle entendit Gascon murmurer derrière elle. Avant de faire des promesses inconsidérées, faites le calcul. Des dizaines de bouches affamées à nourrir et des corps faibles à défendre. Deux fois plus de jambes épuisées qui vont nous ralentir. Pendant que la guerre fait rage partout, vous savez que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Mais surtout qu'ils ne m'ont pas remercié. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne me remercient pas? Comme vous pouvez le voir, nous sommes peu nombreux. Commença la reine. À son ton, les anciens esclaves comprirent que tout espoir était perdu. En voyant le désespoir se peindre sur leur visage, la voix de Maeve chevrota un instant. Et nos coffres sont presque vides. Je suis désolée. Nous ne pouvons pas vous aider. Maeve laissa à manger pour les paysans libérés des chariots d'esclaves Nilfgaardiens. Elle estima que cela leur permettrait de tenir 3 ou 4 jours. Après cela, il deviendrait un problème dont la reine de Lyrie n'avait pas à s'occuper. Exactement. C'est que ces gens, ils ne m'ont pas remercié. C'est honteux. Je devrais mettre les pendre. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc on va laisser la fin faire le travail. Alors, ouais, ça on sait. On peut leur parler? Oui, non, j'avais dit qu'il me fallait énormément de bois, donc là c'est pas la peine. Alors, on a vu qu'il y avait un trésor, là, il y avait une bataille. Le moral est normal, bon. Pas. À l'approche de Gatberg, le regard de Maeve fut immédiatement attiré par les bannières noires flottant au-dessus des palissades. Les étendards du Nilfgaard. Ces éclaireurs découvrirent les bâtiments de la ville intacts, et nulle trace de sang dans les rues. Des soldats en noir gardaient des entrepôts contenant du butin pillé dans les villages des alentours. Curieusement, ces soldats étaient très peu nombreux. Ah ! Les portes sont ouvertes. Manifestement, les impériaux ne s'attendent pas à une attaque. Oh, c'est un piège, ça. Alors nous profiterons de l'effet de surprise. Nous pouvons reprendre la ville et partir avec l'or. Acheva Gascon. Non, mais c'est un piège. Mais le Nilfgaard y avait besoin d'or pour entretenir son armée. Cela lui faisait donc deux bonnes raisons d'attaquer Gatberg. Sa décision prise, elle ordonna à ses hommes de se préparer au combat. À présent, les envahisseurs allaient devoir tenter de se défendre.
L'arme. Et c'est trouvé la veine. Ouais. Allez, les unités les plus faibles. Spécial battle. D'accord. Attaquer de toute façon c'est ma spécialité. Alors, ça c'est de la merde. Papa, allez, terminer l'échange. Ah non, mais ça. Les impériaux se sentent chez eux ici. Prouvons-leur qu'ils ont tort de le croire. Exactement. 101, 102, 103. Allez, on commence déjà ça par. Ça risque de piquer. Un petit peu de flamme. Puis tiens. Ah. 152, 154. Ah. Ils ne s'en tireront pas. Ha. Sage décision. Aucun signe de combat. Ces fumiers ont ouvert les portes aux escadrons noirs. Que les cartes, si t'as besoin, tu le sais. Oui, je sais. C'est lui qui était ciblé. D'accord. Je sais, je peux créer des cartes. Je suis quand même à la deuxième map, hein. À un moment donné, j'ai un peu joué au jeu. Allez, on va laisser Gaston. C'est justement à m'ennuyer. Voilà, il va s'amuser, il va faire ses trucs. Ta vie m'appartient. On peut avoir là. C'est l'utilisation, hein. On choisit une allée de bronze sur le champ de bataille. Ouais, notre jeu. Ouais, c'est dans le jeu, c'est pas. Allez, les gars! N'abusez pas contre leur truc machin. Allez, détruit, c'était. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour ça. Ok. Il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est, bordel? Il attaque pas? Ah, si, ça attaque un peu les deux. Paf! T'as déjà fait sauter une dent avec une pierre. Ah, je suis obligé de choisir un autre. On va achever lui parce que. Je vais me casser les couilles. Ah mais il a pris que lui en chasse, ça me fait chier ça. Et c'est reparti. Dans l'œil à une demi-lieue. Là, Chase, il fait. Putain, il est en train de me sortir le grand jeu. Ils sont gros, la cible est facile. Oh!
Ouais, mais c'est idiot, il a pris pour cible celui-là, mais... Une fronde, ça se cache aisément. Eh ben, c'était juste. Hein. La bataille est gagnée, Majesté. La bataille de Gatberg s'acheva par la victoire de Mer, pour le plus grand des plaisirs des habitants. Alors que la reine inspectait les entrepôts des Nilfgaardiens, le bourgmestre de la ville, un homme âgé portant une grosse moustache, demanda à s'entretenir en privé avec elle. Votre Majesté, je suis vieux. Vous pouvez me tuer. Ça évitera simplement à la goutte de le faire. Je vais donc être franc. Vous n'avez que quelques hommes. Vous ne nous en laisserez aucun pour défendre la ville. Alors, quand vous repartirez, les impériaux viendront reprendre Gatberg. Ils examineront leurs entrepôts de butin. Et ils voudront se venger. Vous serez loin. Tandis qu'ils nous auront sous la main. Le vieil homme se mit péniblement à genoux et referma ses doigts noueux sur l'ourlet du manteau de la reine. Votre Majesté, hein, je vous en supplie, laissez l'or, sans quoi les rues de Gatberg seront rougies du sang de nos femmes et de nos enfants. Mais tu oses me toucher, toi, roturier ? Maeve se demanda quoi faire de l'homme. Fallait-il le féliciter de se préoccuper de ses concitoyens ? Ou le condamner pour sa lâcheté et son insolence. Rena la Noire, elle, n'avait aucun doute sur le sujet. Des traîtres, tous autant qu'ils sont. Bien sûr. Pas étonnant que leur ville ait été épargnée. Ils ont dû ouvrir les portes à ces vermines du sud. À présent, ils veulent qu'on les laisse s'emplir les poches avec l'or qu'elles ont pillé. Je suis assez d'accord. Après une brève hésitation, Maeve indiqua à ses soldats de charger l'or volé sur leur chariot. Comme vous l'avez fait remarquer, bourgmestre, mon armée est petite. C'est pourquoi j'ai besoin d'or pour l'agrandir. Le bourgmestre ne pit pas mot. Il s'inclina devant la reine, puis sortit, clopin-clopant, en s'appuyant lourdement sur sa canne, comme si ce bref entretien l'avait vieilli de plusieurs années. Voilà. C'est parfait. Je peux pas blairer les traîtres. Et les gens qui me manquent de respect.